Mais... Pas le temps de t'expliquer! Cours! Rendez-vous ce soir à une promenade aérienne, professeur? Non, non, non. Je crains que non. Ces vieux aérostats sont à la merci des vents. Et ils soufflent trop fort pour naviguer sans danger. Revenons à cet exemplaire-ci. Hé, mais que faites-vous donc? Descendez de là tout de suite! Coupe les cordes! Je te couvre! Mon Dieu! Fais vite! Je suis toujours là! C'est bien! Trop lent! Attention! On va pouvoir me perdre! Plus qu'une! Je vais te rejoindre! Attends-moi! Où veux-tu que j'aille? C'est vraiment très joli vu d'ici! Si tu voyais cette vue! À qui le dis-tu? Le vent forci! Tu ferais bien de te dépêcher! Merci du conseil! As-tu au moins réfléchi à un moyen de redescendre? Ah, ces problèmes ont tendance à se résoudre demain! Il va bientôt manquer de toi! Il est là! Qu'est-ce que tu fais? J'ai bien l'intention de rire, en te voyant t'écraser dans le fleuve! Leslie, cours! Dépêchez-vous, vite! Je m'occupe d'eux! J'en donne soin de courir! Qu'ils sont en train de viser. Arrêtez-vous. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Restez ici. C'est une longue histoire. Arnaud, je ne peux pas la faire ralentir. Oh, pardon, monsieur. Du fleuve. Fais vite.
J'arrive. La prochaine fois, je m'occupe de notre sortie. C'est magnifique. Vu d'ici, comment pourrait-on croire que notre nation se déchire? Est-ce que les choses reprendront un jour leur cours normal? Tu crois que c'est possible? Et toi? Après tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons perdu. Alors c'est irrévocable. L'histoire est à jamais altérée. Nous ne reviendrons plus en arrière. On ne reviendra pas en arrière. Mais cela ne signifie pas qu'on n'ira plus de l'avant. Élise, je... Tu as triché. Et toi, tu as trop traîné. Je t'aime. J'ai dû filer. Tu avais l'air si paisible que je n'ai pas voulu te réveiller. Je t'aime, Élise. Quelqu'un va venir la chercher. Espérons-le.